Salut les gars, c'est Jojo Bartim, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un petit moteur qui est posé ici sur l'établi pour un pote que je vais faire. Il veut un petit moteur pour mettre sur un clip, 103 clips. Donc on va lui faire ce petit moteur. Il voulait un moteur avec du couple. Il veut pas qu'il fasse 25 chevaux. Il veut que ça tracte, que ça ait du couple et que ça watte à plus de 45 km/h. Donc je pense que je vais trouver un truc sympa qui est en fait un petit moteur bien sûr de scout, un minarelli horizontal, et qui est un petit big bore 77 big bore, donc un diamètre 50. Donc le bloc est ici, on va ouvrir et on va en faire un hybride. Voilà. Donc, je sais que tu vas regarder la vidéo sûrement, ou pas. Donc, Pat, il est pour toi. Il est ici. Je vais l'opérer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc déjà, on va désassembler tout ça pour regarder un peu l'état du moule bif. Donc ça sera un petit moteur de type low cost, c'est-à-dire on part sur des pièces d'occasion pour faire un moteur qui devrait être fort sympathique, à un budget raisonnable, et qui devrait, je t'avais dit, t'es pas prêt, hein. Le clip, tu vas pas le reconnaître. Bon, allez, donc là, on va ouvrir, hop. On va démonter la culasse. Donc, un 77 big bore, c'est un piston en diamètre 50 avec une course origine 39,2. On ne change pas la course. Donc là, on va ouvrir le bloc.
Voilou, voili, ainsi chaud, cacao.
Et voilà le travail. Prochaine partie, ça sera le remontage et la métrologie. À plus les loulous, des bois, des campagnes et des hybrides. Ciao, ciao!